Alors bonjour à tous, moi c'est InsurancePerre et je suis là, vous êtes sur Blog Expert. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on est le mercredi 23 décembre. Donc là c'est bientôt Noël, c'est genre la folie. Donc je vais vous filmer ce vlog sur bien sûr plusieurs jours. J'essaye souvent de faire des vlogs sur plusieurs jours qu'une seule journée et ces derniers temps je fais rien d'intéressant, mais vu que là je fais quelque chose d'intéressant, on va se retrouver pour ce vlog de Noël, voilà, pour vous faire un peu voyager le temps des fêtes, même si on sait que c'est des fêtes genre très très particulières. Donc là, depuis ce matin, c'est vrai que je me suis préparée, voilà, j'ai encore préparé genre mes affaires, genre des cadeaux de Noël. Bien sûr, je vais vous montrer ce que j'ai emballé, voilà, parce que même ce matin, j'étais encore de corvée mission emballage de cadeaux. Bien sûr, pas mes cadeaux de Noël. Donc voilà. Donc là, après, on va partir pour avoir chargé la voiture parce qu'on est dans notre famille pour les fêtes. Bien sûr, on respecte bien sûr les gestes barrières. Voilà, voilà. Et donc là, après, on va aller faire 2-3 petites courses pour, bien sûr, ma mère, ce qu'elle voulait faire, principalement, c'est des petites courses pour les derniers cadeaux de Noël, slash anniversaire, voilà. Puis aussi, faire des courses, si on a le temps, mais faire des courses de nourriture, voilà, parce que je sais pas si je vous l'avais dit dans un précédent vlog, mais on a racheté la maison de ma grand-mère, donc... Voilà, celle qui est décédée, je sais pas si je vous l'avais dit, mais bon. Voilà, donc le 24, je le fais seulement avec ma famille, enfin on le fait seulement en famille, genre à 4. Le 25, on fait chez ma grand-mère, et le 26, on fait avec ma marraine, mon cousin, ma cousine, mon tonton, que je n'ai pas vu depuis genre un an. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Le 27, voilà, on refait encore avec ma grand-mère. Donc voilà le programme de ces quelques jours. Comme le vlog que j'avais fait sur mon anniversaire, bien sûr, il y a des trucs que je ne filmerai pas. Bien sûr, c'est quand je serai avec des membres de ma famille, surtout chez ma grand-mère. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette journée. Et de toute façon, je vous emmène avec moi. Et... pour l'instant, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai emballés pour Noël. Vers 8h22, oui, je me suis réveillée vers 8h22, parce que mon père est venu dans ma chambre pour me déposer genre des cadeaux de Noël. Donc, il m'a déposé un cadeau, ce cadeau-là en plus, qui est à moi, parce que c'est genre une coque de téléphone, voilà. Et je ne comprends pas pourquoi il me l'a déposé en me disant, oui, que c'était pour ma sœur, alors que c'est normalement pour moi. Je ne comprends pas, donc je ne sais pas si je vais l'emballer, parce que je sais déjà ce que c'est. En plus, j'en ai grandement besoin, parce que ma coque de téléphone, elle est cassée. Je voulais même pas dire sur Instagram, mais bon, je trouvais pas ça non plus intéressant de vous le dire. Donc là, je vais vous montrer aussi ce que j'ai emballé. Donc là, c'est cadeau pour ma mère, et comme dans ma wishlist de Noël, là, c'est le cadeau genre pour ma mère. Donc c'est les 2 livres de Cyril Lignac. Et là, c'est genre les deux cadeaux, les cadeaux. C'est à ma sœur, ma mère qui crie pour mon père, qui se réveille, parce qu'il a travaillé, donc là, il a été dormir, et là, faut qu'il se réveille pour qu'on puisse partir, voilà, voilà. Bref, donc là, c'est genre les deux derniers tomes de Ki et Ri, et le dernier tome qu'ils ont sorti de Spy X Family, voilà. Vu qu'il y a le tome 1, maintenant elle aura le tome 2, mais la couverture, genre, si vous avez la chance, genre, d'aller dans un magasin où est-ce qu'ils font des mangas, que vous trouvez le manga Spy X Family, surtout le tome 2, la couverture, elle est trop belle, parce que j'ai jamais eu ça, mais c'est genre une couverture, genre, brillante et tout, et moi, j'adore. Voilà, donc, ensuite, je vais vous montrer un autre cadeau, mais je vais pas le sortir... de là où est-ce que j'ai rangé, parce que flemme de remettre, et j'ai peur genre de casser, parce que j'ai quand même fait un emballage assez particulier, vous allez voir. Donc là, c'est le genre l'autre cadeau pour ma mère, et donc c'est genre un siphon pour tout ce qui est
crème chantilly, des crèmes, des mousses. On voit vraiment ça, genre, ils ont vraiment ça, genre, dans l'émission Top Chef. Je sais pas si vous regardez, mais moi, j'aime bien l'émission Top Chef, même si on pourrait penser que c'est une émission pour les adultes, les vieux. Mais moi, j'aime bien, voilà. Et donc là, en fait, c'est que là, il y a la partie, genre, siphon, quoi. Et là, genre là, on va aller comme un bonbon, en fait, c'est des douilles. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que mon père a dit, ouais, c'est des douilles ou un truc comme ça. Donc, ben voilà, en fait, c'est que j'ai mis une ficelle ici. Enfin, une ficelle. Plutôt un ruban, genre doré, pour faire waouh, Noël, tout ça. Pour emballer, hein, pour que ça tienne au moins les deux. Donc, en fait, j'ai deux trucs emballés, genre différemment. L'autre en mode bonbon. Et l'autre, ben, vu que c'est un rectangle, en mode rectangle, voilà. Mais genre, quand j'ai ouvert le colis, ça sentait, genre, il y avait un arrière-goût de café, mais ça sentait, genre, vraiment bizarre. Donc, voilà. Alors là, on se retrouve pour la suite du log et on est le jeudi 24 décembre, c'est bientôt Noël. Donc hier, je vous ai pas repris juste après mes plans de cadeaux de Noël, voilà. Donc hier, on est bien rentré, on a fait quand même des petites courses. Aussi, on a acheté les 2-3 derniers cadeaux de Noël. Puis, on a fait des petites courses. Je vous montrais ce que j'ai pris. Et après, on a mangé genre des pizzas de chez Pizza Palme, bien sûr, à emporter, vu que les restaurants sont toujours fermés, je crois. Je sais plus. Enfin, bref. Donc là, le programme de cette journée a un peu changé. Parce qu'en fait, mon père, il veut qu'on aille peut-être passer l'après-midi un peu chez ma grand-mère. Alors que je me suis dit, ouais, mais on a quand même le réveillon de Noël à préparer. Ma grand-mère aussi, elle a le réveillon de Noël à préparer. Même si mes grands-parents, maintenant, ils mangent moins le soir, en fait. Soit ils mangent pas, soit ils mangent genre très peu. Ça fait depuis peut-être un an et demi. Voilà. Donc là, merde. Là, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Je vais me laver, m'habiller, puis je vais me maquiller tout en regardant Naruto. Voilà. Parce que j'aime bien regarder Naruto. Et là, faut que je publie un truc. C'est pour l'anniversaire genre d'une amie. Faut que je lui souhaite. Et donc, voilà. Mélie, si tu passes par là, je te souhaite un bon anniversaire. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, je vais vous montrer les... ce que j'ai acheté, j'allais dire des cadeaux de Noël encore, mais non, c'est pas des cadeaux de Noël, c'est pour moi. Oui, donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est comme d'hab, c'est le Keyworld. Là, c'est numéro 19. Et là, c'est numéro spécial féminin. Donc, voilà. Et en plus, ils ont marqué au-dessus comme quoi hors série spécial groupe féminin 1/3, donc ça veut dire qu'ils projettent de faire au moins 3 hors série spéciales avec que des groupes de filles ou que avec des artistes solo féminins. Et donc c'est comme d'hab, hein, Keyworld, alors quoi, avec chaque catégorie, ça va prendre le K-pop, des dramas, ta culture, toujours des petits goodies, genre posters, tout ce qui est beauté, des jeux, tout ça, tout ça. Puis là, voilà, c'est pas comme le hors-série des BTS, parce qu'il y a que des BTS, mais là, bien sûr, il y a aussi des goodies. Ça va parler plein de filles. Mais en fait, il y a combien de pages? Parce que je l'ai pas trop feuilleté depuis que j'ai acheté hier. Voilà, il compte pas ça comme une page. Ouais, il y a presque... En fait, il y a 100 pages dans le truc à peu près. 100 pages. Voilà, c'était tout ce que j'avais genre à vous montrer. Alors, voici mon outfit of the day. Donc, je vais plutôt ouvrir ma veste tailleur pour que vous puissiez bien voir. Et donc, voilà. Alors, le t-shirt, il vient de chez H&M. Ça fait
depuis plusieurs années que je l'ai. La jupe, c'est moi qui ai faite, et la veste d'ailleurs aussi, voilà. Donc ne faites pas trop attention à mes fameuses pantoufles Harry Potter, parce que là, genre, clairement, je vais plutôt mettre genre mes talons, mais vu qu'ils sont en bas, voilà, et avec des chaussettes pour aller avec mes talons, vu que c'est des... Donc là, je vous reprends, il est vraiment plus tard dans la journée, parce que là, il fait déjà nuit. Désolée pour cette luminosité, parce qu'il y a une seule des deux lampes de cette pièce qui fonctionne, et c'est que des appliques murales. Donc voilà, oui, je vous reprends genre beaucoup plus tard. Donc il est déjà 19h, je sais pas si je l'ai dit, mais bon, là je me répète. Bref, cet après-midi on a été faire un tour à l'incroyable. Donc en fait on a acheté des dernières décos de Noël, parce que mon père trouvait que ça faisait vide un peu en bas, avec le petit sapin et une guirlande. Il y a une guirlande au-dessus sur le lustre, une guirlande là où il y a le buffet. Donc il trouvait que ça faisait un peu petit, et donc bon, bah on a acheté de nouvelles décorations. Mais genre, il y a une décoration genre trop belle. C'est une guirlande sucre d'orge. Mais punaise, après les fêtes de Noël, je veux la reprendre, je veux la mettre dans ma chambre, et tout ça, tout ça. Je trouve qu'elle était vraiment belle. Et puis on a acheté un petit train, deux, trois petites bricoles comme ça. Donc après, on a été chez ma grand-mère, on avait acheté des coquilles. Donc en fait on a offert des coquilles, et là genre à côté de moi genre j'ai un sac. Sans transition, genre je vais pas faire non plus une intro genre comme ça. Bref, là je vais vous montrer ce que j'ai à côté de moi. Je vais poser comme vous pouvez pour vous filmer. Donc déjà genre ceci, c'est genre plus, c'est genre un puzzle en fait, un peu comme des Lego. C'est un truc à assembler. Donc il y a le petit palmier, et là la girafe, putain, qui s'est fait la malle. Bon, c'est censé ressembler à une girafe. Voilà, je vais la reposer. J'ai eu des Toblerone, j'en ai jamais mangé, donc ça va être la première fois que je vais en manger. Des chocobons, c'est vraiment genre trop bon. Aussi des Rita, je sais pas si vous connaissez, mais c'est genre des petites gaufres fourrées. Ça a la verjoise, c'est bon. Et là j'ai eu un truc qui est tombé, je pense, je sais pas. Et là, ça fait pas trop envie parce que c'est emballé, genre du film alimentaire, mais genre c'est une coquille. Alors ça, c'est trop bon. Et ça, c'est pour le petit déjeuner de demain matin. Donc là, je vais aller voir si je peux mettre genre de la déco, parce que je sais que ma soeur, là, le petit train pour la famille, elle voulait trop le faire. Puis aussi je dois... on a une petite déco en fait, il y a une pile dedans, mais il n'y a plus de pile. Enfin si, il y avait une pile, mais vous voyez quoi, ça a été... elle s'est déchargée quoi. Donc je vais aller en remettre une, je vais voir si je peux mettre de la déco, voilà. Et puis bon après je vais commencer à préparer genre le repas, s'il y a des trucs à faire, mettre la table. Puis bon on filmait un peu ce qu'on mange. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on mange. Je sais qu'on va finir. Genre on avait fait de la soupe. Enfin ma mère avait fait de la soupe au potiron. Donc on va certainement manger ça avec ma soeur. Elle a acheté genre des mystères. C'est les glaces là. Les glaces en forme de sphère. Ça te trouve. Donc... I'm good.
Bonjour à tous, on est le 25 décembre. Et donc là, je vais pas trop vous parler parce que là, je dois aller chez mes grands-parents, aller chercher genre des fleurs. Et puis aussi, quelques plans avant, c'était parce que j'ai eu, quand je suis descendue pour aller déballer genre les cadeaux de Noël. Et là, on a eu le jeu Just Dance, donc on a joué un peu au Just Dance, je me suis maquillée. Et voici ma tenue of the day. Voilà, c'est une petite robe noire, simple. Et je vous emmène avec moi dans ma... Alors là, il est genre déjà 20h, enfin 20h passées quoi. Donc je vous ai même pas repris de toute la journée, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vous reprends. On a été chez notre grand-mère, voilà, ça s'est bien passé. C'était sympa, chouette, c'était un bon repas. Elle fait genre de bons repas à chaque fois, donc... Je ne suis jamais déchue de ma grand-mère. Et là, c'est vrai que ma sœur, ça faisait... Depuis qu'on est arrivé, genre ici, il a dit oui, il faudrait nettoyer ici, genre ici un peu tout partout, nettoyer pour quand il y aurait genre vu que demain il y aura notre cousin, notre cousine et ma marraine, donc vu qu'avec mon cousin, ma cousine, on joue quand même à des jeux de société ou à des jeux, même si on est tous grands, qu'ils soient, que ça soit des adolescents ou même ceux qui sont majeurs, voilà. Mais on reste quand même cousins-cousines, on aime bien genre s'amuser genre ensemble. Et donc là, je vais faire un peu de nettoyage. Je voulais le faire avec ma sœur, mais bon, elle a un mal à la tête. Je veux pas trop, pour l'instant, la déranger. Donc je m'attenais à faire du nettoyage. Enfin, du nettoyage, c'est juste passer, faire les poussières, quoi, pour dire un peu de nettoyer. Parce que, comment vous dire, quoi. On est rentré du confinement. Ici, il y avait genre deux mouches, quoi. Même moi, j'étais genre étonnée de trouver genre des mouches à ce temps-là. Déjà, chez notre grand-mère, il y avait il y avait des moucherons, mais ils avaient expliqué qu'ils avaient déjà eu genre des mouches et tout. Il y a peut-être une semaine, deux semaines de ça. Donc, voilà, hein. Donc ce soir, on va manger light. Pour ceux qui ont envie de manger, ils mangeront. Ceux qui n'ont pas envie de manger, ils mangeront pas. Donc demain, je vais devoir changer de collant parce que là, ça commence à bien faire d'avoir des collants genre troués, quoi. Donc voilà. Et donc je vous reprends demain, les gars. Alors bonjour à tous, on est le samedi 26 décembre et Noël c'est déjà fini, voilà. Donc là aujourd'hui, comme je vous ai dit dans le vlog, que aujourd'hui ça allait être qu'il y aurait mon cousin, ma cousine avec ma marraine et mon tonton, ça va me faire genre super plaisir. Ça fait genre un an que je les ai pas vus quand même. La dernière fois c'était pour les fêtes de fin d'année, donc Noël, je pense que là ça doit faire au moins un an qu'on s'est pas vu. Et donc voilà, donc là je me suis préparée, je vais vous montrer mon outfit of the day. Donc en fait j'alterne en fait mes tenues de fête, voilà quoi. Donc aujourd'hui j'ai changé de tenue, j'ai mis la même tenue que j'avais mis pour le 24 décembre. Et donc voilà, donc là qu'est-ce que je vais faire, je vais peut-être aider s'il y a besoin d'aider, préparer genre des choses. Je vais préparer genre tous mes cadeaux de Noël que j'ai eu parce que je sais que mon cousin, s'il passe par là, il demande, l'année dernière il m'avait demandé ouais qu'est-ce qu'on avait eu pour Noël, tout ça tout ça. Donc comme ça je pourrais préparer et tout. Et donc j'ai reçu genre une perruque parce que je vous l'avais dit que j'avais une perruque. Et donc j'ai pris mon cosplay, je vais vous montrer. Donc peut-être que je vais me cosplayer. Vu qu'ils vont voir la perruque, ils vont se dire ah, what quoi. Donc pourquoi pas la tester pour la première fois, la perruque. Et donc ça va me faire genre super bizarre genre de mettre une perruque. Donc en plus c'est des cheveux courts, donc voilà, comme j'avais dit, c'est la perruque genre de Toka Kirishima. Et donc là je vais tout de suite préparer ce que j'ai à préparer. Et donc on se retrouve tout à l'heure. Donc là, je vais me dépêcher genre de parler parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes et faire encore 2-3 petites choses avant que mon cousin, ma cousine y arrive.
Donc là, c'est la veste d'ailleurs de mon cosplay. Et là-dedans, genre il y a ma jupe qui va avec mon cosplay et j'ai une chemise, mais bon, qui va pas trop avec. Et normalement, j'espère avoir mis le nœud papillon avec. Donc voilà, il faut que je retrouve après ma perruque parce que je suppose que j'étais à la mettre. Donc je vais me dépêcher et je vous reprends plus tard. Alors là, on est déjà le dimanche 27 décembre. Et donc, hier, je ne vous ai pas repris après les plans d'envoyer Just Dance, voilà, parce que je n'ai pas eu le temps. Mais sinon, la journée était bien, même si elle s'est pas passée bon, comme je voulais. Mais bon, rien ne se passe comme on veut dans la vie. Donc, on s'est bien amusé en jouant au Trial Pursuit, voilà, aux jeux de cartes, comme aux games et au président, voilà. On a joué aussi un peu au Just Dance, mais bon, on s'est pas non plus vraiment amusé genre tout le temps, parce qu'à un moment on a regardé les photos pendant plus d'une heure, les photos de ma marraine. Mais bon, c'est bien de voir les vacances, mais bon, c'est vrai que chez ma marraine et même chez nous, c'est que les photos, bah, elles ne sont pas triées, quoi. C'est les parents, eux, ils prennent genre plein de photos et après, bon, bah, voilà quoi, ils ne trient pas ce qu'ils ont genre dans leur appareil, dans leur téléphone, ou s'ils ont un appareil photo, ben ils ne trient pas genre forcément. Bon, moi j'essaye de prendre le moins de photos possible et que ce soit genre des photos bien, quoi. Parce que je veux pas non plus prendre chaque détail, chaque truc, chaque endroit plusieurs fois. Enfin, pour moi ça sert un peu à rien, mais bon, enfin bref, je m'écarte du sujet. Et c'est vrai qu'après, avec ma soeur, c'est que quand ils sont partis, on a continué de jouer au Just Dance, voilà, on s'est dépensé. Et puis bon, bah hier, on a quand même mangé pour ceux qui avaient envie de manger, donc voilà, de la soupe. Et puis bon, il y avait du jambon, du pain, voilà, il y avait un sandwich, voilà. Donc là, je vais pas trop vous parler, parce que genre, faut que je termine de me préparer. Même si je vais pas me maquiller encore une fois. Et donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, bah, terminer de me préparer. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Puis après, bon, bah, descendre parce qu'il y a, mes grands-parents qui vont venir. Donc, ils arrivent bientôt. Et puis, il faut que j'offre le cadeau à ma grand-mère. Donc, en fait, on l'a oublié quand on était chez elle. Et sauf qu'en fait, moi, j'étais en train de mettre mes collants. Genre, moi, je savais pas que ma soeur, tout ça, ils avaient genre changer la voiture, et genre moi, je dis dans la voiture, bon bah moi je voulais vraiment le cadeau que j'étais là pour choisir pour ma grand-mère. Et en fait, bah finalement, on arrive là-bas, on ouvre le coffre, il n'y avait pas le cadeau de ma grand-mère, donc on va lui offrir là aujourd'hui. De toute façon, c'est bientôt son anniversaire, donc voilà, dans quelques jours, donc c'est pas non plus trop grave, et voilà, on fait avec. Donc j'arrête de vous parler, je vais me préparer, et
je clôturerai le vlog quand je serai chez moi. Donc voilà, on est le lendemain du jour du 27 quoi, là maintenant on est déjà le 28. J'ai oublié quand je suis rentrée de faire terminer la fin de ce vlog, donc voilà. Mais je vous le termine, j'ai passé genre l'après-midi avec mes grands-parents, voilà, il s'est rien passé genre d'exceptionnel. Et quand je suis rentrée, décharger la voiture, manger... Puis j'ai regardé genre Ready Player One parce que ça c'est vraiment un très bon film, voilà. Et donc c'était tout. Merci d'avoir regardé ce vlog même s'il est beaucoup genre décousu. C'est pas non plus genre le meilleur que j'ai pu faire quoi. Il y a plein de passages, genre c'est vraiment genre en danse, tout ça. Et des trucs, je vous le disais genre seulement le lendemain, j'avais même pas le temps de vous... genre le jour même, et j'ai filmé genre des plans, bref, et c'est un mess, mais bon voilà, j'espère que ça vous plaira quand même.